Caché, il a peur d'être en relation. Tout ça, moi, anyway, j'étais pas prête vraiment à m'embarquer. Parce que le gars, je le connaissais pas tant que ça, anyways. Mais, regarde, quand c'est rendu qu'il faut que tu passes les douanes pour aller voir ton chum, il y a un problème. Ouais. Même si je passe les douanes pour aller voir ma famille en Suisse. Mais, non, mais tu comprends. Si ça avait été ta blonde, ouais. Faut que tu passes les douanes pour aller voir ta blonde, il y a un problème. Ouais, j'avoue. Okay. Ouais. Fait que là, on a arrêté ça 2 semaines avant que je rentre. Ah ouais? Il sait même pas si je rentre ou pas. Ah, tu parles plus? Ben, j'ai parlé 3 semaines avant de rentrer. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit à Mike Bowen, à l'autre. La seule personne qui aurait pu le dire, c'est Mélissa, tu sais, la photographe de dernière heure. Hein? Ouais. Mélissa, paradis. Mm-hmm. Elle parle. Ah, je sais pas si c'est que je ouais, mais ce que je veux dire, c'est que toi, dans le fond, ta dernière discussion que tu as avec, c'est... C'est la seule. C'est lui bête. Ouais. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le même, tu sais. Non, c'est des fois, les choses, ils finissent comme ça. Ben oui. Le gars, il habite à New York, j'habite ici. Non. Moi, j'étais prête. Si je n'étais pas venue ici, j'aurais fait New York-Montréal à chaque week-end, ou à chaque 2 week-ends en chance, ça ne m'aurait même pas dérangé. Okay. Quand je tiens à quelqu'un, ouais. Je tiens vraiment à quelqu'un. Mm. Je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, puis ça me dérange pas. Même si j'ai à conduire cette mais t'étais pas en amour. Mais pas encore. Mais tu sais, tu m'aurais donné peut-être une couple de mois. Peut-être, tu sais, mon ex de 4 ans, ça va pas. Ouais, mais moi, je sais pas. Avant de dire que je l'aimais 6 mois. Je suis pas d'accord avec toi, moi.